Il y a seulement deux choses importantes dans la vie. L'amour, avec les jolies filles, et la musique de la Nouvelle-Orléans ou de Duke Ellington. Le reste devrait disparaître, car le reste est laid. Et la légère démonstration qui va suivre tire toute sa force du fait que l'histoire est entièrement vraie, puisqu'elle est imaginée d'un bout à l'autre. Par ici. Viens ici que je te sale. Alors ça va du coup. Ah. Yam. Ça sera bon. Oh, monsieur Colin, pour en être sûr. Quelle bonne entrée. Nous avez-vous préparé? Mon cher Nicolas. Oh mon Dieu, pour une fois, je n'ai absolument rien innové. Je me suis borné à plager le roi gourmand. Quelle bonne entrée. Nous avez-vous préparé? Il y en est question à la page 608 de son livre de cuisine. Je peux lire à monsieur les sera en question. Alors, prenez un andouillon que vous écorcherez malgré ses cris. Cochez. Lavez-le de pâte de homard émincé. Faites tomber le tout dans une cocotte légère. Posez le feu. Et sur l'espace ainsi gagné, disposez avec goût des rondelles de lard mitonné. Lorsque l'andouillon a émis un son grave, coucou chevalier, toi, hein. Nappez-le de Porto de qualité. Garnissez avec des patates douces. Servez-vous. Dégustez et disparaissez. Parfait. Je pense que Tic aimera ça. Je l'espère aussi. Je n'ai pas l'avantage de connaître Monsieur Chic. Mais s'il ne l'aime pas, je ferai autre chose la prochaine fois. Et je pourrai situer avec quasi-certitude l'ordre de ses goûts et dégoûts. Si vous le dites. Ah tiens, le voilà. Salut, voilà. Comment vas-tu? Et toi? Regarde ce que fait Nicolas. Ton nouveau cuisinier? Oui, je l'ai changé à ma tante contre l'ancien et 1 kg de café belge. Et il est bien? Il a l'air de savoir ce qu'il fait. C'est un disciple de le roi gourmand. Le roi gourmand? Mais si, le roi gourmand. Le cuisinier bien connu. Moi, tu sais, en dehors de Jean Solpartre, le philosophe bien connu, je n'ai pas beaucoup. Nicolas, je te présente mon ami Tic. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nicolas. Dites-moi, vous n'aurez pas peut-être une nièce qui s'appelle Alice? Si, monsieur. Une très jolie fille, si d'ailleurs monsieur peut bien me permettre ce commentaire. Vous avez un grand air de ressemblance, bien que du côté du buste. Bien, vous notez quelques différences. Je suis assez large. Et elle, disons qu'elle est un peu plus développée dans le sens perpendiculaire de la chose. Alors, nous sommes presque en famille. Nicolas, vous m'aviez pas dit que vous avez une nièce. Si, monsieur. Elle a fait des études de philosophie. Mais quelle honte! Une honte pour une famille universitaire de ces traditions. Je vous comprends. En tout cas, je pense que vous avez raison. Puis-je prier monsieur de bien vouloir retourner à mon andouillon grassouillé? Faites, je vous en prie. Tic, tu prendras un apéritif. Mon piano tel est achevé. Il marche à la perfection. J'ai eu un peu de mal à le mettre en œuvre, mais le résultat dépasse mes espérances. J'ai eu à partir de In the Mood de Glenn Miller un mélange tout à fait ahurissant. Et quel est le principe? C'est très simple. À chaque note, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. Les quantités sont raison directe de la durée. Selon la durée de l'air, on peut faire varier la valeur de l'unité pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies.
C'est compliqué. Il faut simplement jouer le morceau parfaitement. Sinon, on a parfois des mauvaises surprises. Je vais m'en faire un sing, 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 sing. Oh, ça va être génial. Un moment, t'as failli faire une fausse note. Heureusement, c'était dans l'harmonie. Viens, assieds-toi et bois. Alors, c'est à Lise dont tu lui parlais? Eh bien, je l'envisage en ce moment. Je l'ai rencontrée à une conférence de Jocelyn Part. Nous étions tous les deux à plat ventre sous l'estrade. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Comment est-elle? Oh, je sais pas, elle est... Elle est jolie. Voici l'apéritif. Ah, merci, Nicolas. Asseyez-vous donc avec nous et goûtez un peu. Comme j'ai dit avant, nous sommes presque de la famille. Bah, je remercie monsieur, mais il faut d'abord que j'aille nourrir les souris. Hein. D'accord. Alors, tu ne voudrais pas me donner une idée dans la façon dont tu t'es pris pour entrer en relation avec Alice? Eh bien, voilà. Je lui ai demandé si elle aimait Jean-Seul Partre. Elle m'a dit qu'elle faisait la collection de toutes ses œuvres. Alors je lui ai dit que moi aussi. Et chaque fois que lui j'ai répondu quelque chose, elle me répondait « moi aussi ». Mais c'est génial. Et j'étais partout où elle a été. Et comment ça s'est fini? C'était l'heure d'aller au lit. Mais je vais la revoir cet après-midi. On va à la patinoire. Elle s'ennuie parce que je patine mal. Mais on pourra parler de Partre. Et les parents des Spontosa ne seront pas là ce week-end. Et elle organise une petite soirée. Ça dirait de venir avec nous? Moi? Ouais. Je ne sais pas. Je danserai mal, tu sais. Allez, bien, ça sera chouette. Bon, je n'ai pas le temps de rester plus. Je dois aller lire des livres de Partre. Tu diras à Nicolas que l'apéritif était très bon. Rejoins-nous là-bas. Je compte sur toi. D'accord. Je vous rejoins là-bas. J'irai avec Nicolas. Il a peut-être d'autres nièces. Nicolas? Monsieur? Vous faites du civet de lapin pour ce soir? Oh mon Dieu! Mais monsieur ne l'avait point prévenu. J'avais d'autres projets pour ce soir. Mais, Nicolas, pourquoi me parlez-vous toujours à la troisième personne? Écoutez, je pense qu'une certaine familiarité n'est admissible que lorsqu'on a gardé des barrières ensemble. Mais vous êtes hautain, Nicolas. Écoutez, j'ai l'orgueil de ma position, il vous serait m'en faire grief. Oui, d'accord, mais j'aimerais vous voir moins distant. Je porte à monsieur une coiffe sincère dissimulée, affection. Alors, je vous remercie et je vous la rends bien. Ah, pendant que je suis, Nicolas, demain, il y a une petite soirée chez les Bandosan, à laquelle t'es également convié. Et je voudrais danser le Bigle-moi avec une jolie jeune fille. Le Bigle-moi, c'est la danse à la mode. Est-ce que vous saurez danser le Bigle-moi? Je peux apprendre à monsieur quelques rudiments. Pour l'essentiel, ce n'est quoi point compliqué. Il suffit d'éviter les fautes de goût. Bah, l'une d'elles serait de danser le Bigle-moi sur un air de Woggy Woggy. Hein? Oui, le Woggy Woggy, voilà. Et quelle ambiance! Ça va pas du tout, hein? Stop! Stop! Excusez-moi, désolé. Mon mari, vraiment, là, c'est pas le moment, hein? Pardon, désolé. Non, c'est une faute de goût, hein? Une faute de goût totale. Ce n'est pas une erreur? C'est une faute de goût, hein? Alors, je propose à monsieur de danser le Bigle-moi sur un air arrangé par Duke Ellington. Bah, le Bigle-moi, que monsieur connaît sans doute, propose sur la production d'interférences bah, deux sources animées d'un mouvement oscillatoire rigoureusement synchrone. J'ignorais que cela mettait en œuvre des éléments de physique aussi avancés. En l'espèce, le danseur et la danseuse, vous
donner la licence ACPT de l'autre et mettre leur corps entier en ondulation sur le rythme de la musique. Certainement. Comme je vois que monsieur a l'air plutôt bien se débrouiller, je propose à monsieur de passer sur un rythme un peu plus rapide. Musique. Danser le biglemois? C'est ma nièce Alice qui me l'a appris. Je voudrais trouver une âme sœur comme votre nièce. Bon, hein, monsieur a tort de penser à ma nièce puisque monsieur Chic a déjà fait son choix le premier. Petit coquin. Mais j'ai tant envie d'être amoureux. Tout le monde veut tomber amoureux. Vous, je suis sûr que vous voulez tomber amoureux. Et toi aussi, j'ai voix dans tes yeux. Et la dame, oh, désolé, le monsieur qui est là-bas aussi veut tomber amoureux, pas vrai? Que veux-tu ici? Sans jeu que demain, chez Isis, je trouve une jolie, jeune fille. Et elle sera jolie? Elle s'appellera Ali? Non, pas Alice. Bon, il faut absolument que je vous parle. L'amour sera dans l'air, ça chante! Je suis sûr qu'Alice me présentera une jolie, jeune fille. Ça sera, oui, ça sera un tout petit peu extrêmement formidable. Brillamment dans la vie. Mais vous avez un père qui est agrégé de mathématiques.
Oui. Il est professeur au Collège de France et membre à l'Institut, quelque chose comme ça. Enfin, mais vous voyez, mais c'est lamentable. À 38 ans. Oh, il aurait pu faire un tout petit effort. Mais bon, heureusement, il y a Oncle Nicolas. Il cuisine à la perfection. Je confirme. Si vous voulez, vous pouvez venir tous les deux goûter sa cuisine. Très bien. Mais si tu crois que je vais accepter une proposition comme ça, tu te forges une mauvaise conception de l'univers. Et il faut que tu trouves une quatrième. Je ne veux pas laisser Alice chez toi. Tu l'as séduire avec les harmonies de ton plein de tête. Et je ne veux pas de ça. Mais vous écoutez ce qu'il dit. Pour qui me prend-il? Comment s'appelle cette fille? Elle, c'est Chloé. Chloé? Oui. Bonjour. Êtes-vous arrangé par Duke Ellington? Mais où vas-tu comme ça? Tu vas pas déjà t'en aller? Regarde, c'est l'original de Dégolition, le paradoxe de Paris. Ah, tu l'as enfin trouvé. Ah oui, je partais. Mais alors? Mais vous vous en allez sans savoir danser avec moi? Une seule petite fois? C'est que je viens de rester stupide et ça me gêne de le rester. Mais en vous regardant comme ça, on est forcé d'accepter. Alice. Quoi, mon vieux Colin? Je viens de dire une imbécilité à Chloé, et c'est pour ça que je partais. Inviter-la à danser? Ah non, je ne verrai pas. Allez, chers amis, nous allons maintenant passer au Big Luma par couple de deux. Rejoignez votre partenaire. Musique! Cet argent. Oh, ça me coûte très cher, mais je peux m'en passer. Je suis collectionneur de parcs.
rentrer. Il me faut tout ce qu'il a fait. Mais il fait au moins 5 articles par semaine. Oh, je sais bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour revoir Chloé? Oh, c'est vrai, je t'emmène avec des histoires de part. Je veux bien t'aider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, c'est si agréable d'avoir envie de quelque chose à ce point-là. Je voudrais être couché dans l'herbe, avec du soleil, et de la terre sèche, et de l'herbe jaune comme de la paille, et de la mousse cassante et sèche, et des tas de petites bêtes. Et Chloé? Et Chloé, naturellement. Voici le cadeau. Préparez à monsieur un gâteau au nénuphar. Absolument exquis. Bon, bah le vin de Sauternes, hein. Attention. Vous en rapporte tout à l'heure, hein. Attention, Nicolas. Merci, Nicolas. À votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire pour revoir une fille dont je suis amoureux? Oh mon Dieu. La question peut évidemment se poser. Mais je ne me la suis absolument jamais posée. Bien sûr, vous êtes bâti comme George Clooney. Mais bien sûr, Nespresso Waters. Bien, comme ce n'est pas la règle générale. Bon, je remercie monsieur de cette appréciation qui me vient d'être absolument droit au cœur. Je conseille à monsieur, par le truchement de la personne chez qui monsieur semble rencontrer une certaine absence, de rencontrer les fréquentations et les fréquentations de cette dernière. Accouche? Ah non. Ah si. Oui. Malgré la complexité de vos tournures, je crois que vous avez raison. Il y a une possibilité de revoir Chloé. Mais quand on est amoureux, on est idiot. Et c'est pour ça que je n'ai pas dit à Tic que je songeais à cela depuis longtemps. Bon. Je laisse monsieur déguster son gâteau nénuphar. Merci, Nicolas. Mais de rien, voyons. Non, il est trop beau. On va attendre un peu. Tiens, voilà, on a... Nicolas, les coupes. Bon, on verra après. C'est délicieux. C'est terrible, normalement. C'est mieux que ça. Ça ne ressemble à rien de connu. Toi aussi, tu ne ressembles à rien de connu. Je suis sûr que si on boit assez, Chloé viendra immédiatement. Ça n'a pas été prouvé. Tu me provoques. Écoute, il y a un air de musique qui sort du gâteau. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel article part. J'ai un rendez-vous avec Chloé. Merci, Nicolas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour revoir Chloé? L'emmener dans un salon de thé? Non. L'atmosphère est plutôt déprimante. Et je n'aime pas les dames goinfres qui mangent leur gâteau à la crème. Moi aussi d'ailleurs, hein. J'aime pas les dames goinfres. Excusez-moi, monsieur. Pas vrai? D'ailleurs, je ne conçois pas la goinfrerie pour une femme. L'emmener au cinéma? Non, elle ne voudra pas. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air bien embarrassé. Donnez-moi la main. Vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui? Ça allait mieux la dernière fois, peut-être. Vous vous manquez de moi. Vous n'êtes pas charitable. Vous êtes content de me voir? Oui. Regardez ce nuage rose qui nous enveloppe. Comme il est joli.
Mais méfiez-vous, c'est un peu transparent. Ça ne fait rien, on se sent mieux tout de même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste se promener, ça vous ennuie? Non, pas du tout, dites-moi des choses alors. Je ne sais pas, des choses assez bien. On peut regarder les vitrines. Regardez celle-là. Un boucher qui égorge des petits-enfants. De la propagande pour l'assistance publique. Et voilà où passe tout notre argent. Ça doit leur coûter cher de nettoyer tout cela. Mais ils ne sont pas vrais. Comment peut-on savoir? Ils les ont pour rien, l'assistance publique. Allons-nous-en. Je ne veux plus voir de vitrines, ça me déplaît. Et qu'est-ce qu'on fait? On va boire le thé quelque part? Oh, je n'aime pas ça, et puis ce n'est pas l'heure. On pourrait aller au bois? Oui, c'est une excellente idée. On sera tout seul. Ce n'est pas pour ça, et puis nous ne quitterons pas les grandes allées, autrement on se mouille les pieds. On n'ira pas sur le terrain, allons-y. Vous n'avez pas froid? Non, mais je veux bien me rapprocher tout de même. Et vous ne vous ennuyez pas? Non. Me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Avec elle. Je te félicite. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Ça n'a pas l'air de carburer fort. Non, non, il n'y a rien. C'est Chi qui est bête, en fait. Mais non, ne l'écoute pas, Cola. Il n'y a rien. Vous dites la même chose, mais vous n'êtes pas d'accord. Alors, il y en a un des deux qui ment, ou bien tous les deux. Chi est bête. Il dit qu'il a tort de me garder avec lui puisqu'il n'a pas assez d'argent pour me faire vivre bien. Ah oui, et qu'il a honte de ne pas m'épouser. Je suis un salaud. Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Les parents d'Alice ne veulent pas que je me marie avec elle. Et ils auront raison. Il y a une histoire comme ça dans un des livres de Pâques. C'est un livre excellent. Vous ne l'avez pas lu, Colin? Voilà comme vous êtes. Je suis sûr que tout votre argent continue à y passer. Donc, ce n'est pas surtout l'argent, c'est que... Depuis qu'Alice est avec moi, elle n'achète plus rien à part. Elle ne s'en occupe même plus. Mais je t'aime mieux que part. Tu es gentille, mais je ne te mérite pas. C'est mon vice, collectionneur de part. Et malheureusement, un avenir ne peut pas se permettre. Contrairement à ses ouvriers. Je suis désolé. Je voudrais que tout aille bien pour vous. Voici l'apéritif. Du sang d'anguille mijoté dans un bain d'encre de poulpe. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour ma nièce. Tu ne m'embrasses pas? Mais Nicolas, ne vous gênez pas?
Même, vous feriez un grand plaisir en dînant avec nous. Écoutez, monsieur me plonge dans la confusion. Je ne puis m'asseoir à sa table avec ces machins qui bidulent. Écoutez, Nicolas, faites ce que vous voulez, changez-vous, je ne sais pas. Mais je vous intime l'ordre de dîner avec nous. Je remercie, monsieur. Alors, Chloé, tu nous feras en dire. Eh bien, je vais l'épouser. J'ai vraiment hâte. Quelle chance. Tic, tu veux de mon argent? Je ne crois pas que cela serve. Tu pourras épouser Alice. Mais ses parents ne veulent pas et je ne veux pas qu'elle se fâche avec eux. Elle est trop jeune. Je ne suis pas si jeune. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Écoute, Tic, j'ai 200 000 doubles ans. Je t'en donnerai le quart. Tu continueras à travailler et comme ça, c'est rare. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Mais ne me remercie pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur des gens, mais celui de chacun. Je vais ouvrir. Après tout, je suis la plus jeune. Tu me l'as assez reproché. Bonjour, ma nièce. Complètement. Merci, je sais, hein. Viens à table. Bonjour, les amis. Comment allez-vous? Vous vous décidez à parler normalement? Bah oui, je peux aussi, hein. Bon, ici se tutoyer tous les trois. D'accord. Hé, les gars, vous voulez être mes garçons d'honneur? C'est d'accord. Mais il faudra pas faire l'amour avec les jolies filles, hein. Le coup est bien connu. Petit coup qui nous gourmande. Alice et Ziz seront les demoiselles d'honneur. Convenu. Oui, Alice. D'ailleurs, toi, il y a un petit cadeau que j'ai laissé pour vous. Je peux ouvrir? Mais vas-y. Oh, Colin, je sens que le mariage approche à très grands pas. Bon. Moi, je vous laisse parce que j'ai une épaulette sur la tête. Ce sera une très belle noce. Tous mes amis seront là. Chloé, vous avez un teint de fruit. Vos yeux voient comme il faut voir. Et vos lèvres me font chaud. Il faudra des ans de moins pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de moins pour que j'épuise les baisers que je vais poser sur vous. Sur vos lèvres, sur vos yeux. Sur votre cou, quel bonheur! Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to pay with me, stay with me. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I
can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go ooh. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean that hugs the shore, hold me close, sway me more. Alors, vous avez bien dormi? Très bien. Et toi, Nicolas? Moi, j'ai raccompagné du Cézel. Et elle m'a fait boire, comme il se doit. Il y avait aussi ses deux cousines. Et elles ont absolument voulu que je reste. Elles avaient quel âge? Je ne sais pas, mais... au toucher, je donnerai 18 ans à l'une et 19 ans à l'autre. Tu as passé la nuit avec elles? Elles étaient toutes les trois un peu éméchées, alors j'ai dû les mettre au lit. Le lit du lycée est très grand et il ne restait qu'une place pour moi. Et quand j'ai pas voulu vous réveiller, je suis restée dormir avec elles. Dormir? Le lit devait être très dur parce que tu as bien mauvaise mine. Bon, je vais chercher les abricots pour ce soir. Dis-moi, mon Colin, si tu aimes mes cheveux. Ah, je t'ai déjà dit que je t'aimais. Je te l'ai dit en nom et en détail. Alors, détail. Ne tousse pas comme ça, ma Chloé. Tu me fais mal. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? S'embrasser. Juste s'embrasser. Et après? Après, je ne peux pas le dire tout haut. Prends-moi dans tes bras. J'ai très froid. Pourtant, il ne fait pas froid ici. Non, mais j'ai très froid.
parfaitement. Là, on est bien. Tu te rappelles? Oui, c'est là qu'on s'est connus. C'était très agréable. C'est quoi? C'est un enregistreur. Ah, quelle bonne idée. Comme ça, on n'aura pas besoin d'écouter. Oui. Et on pourra écouter l'enregistrement quand on voudra. Mais on ne le fera pas pour ne pas abîmer les disques. Je les ferai doubler avant. Ça a dû te coûter très cher. Ça n'a pas d'importance. Ça y est, il commence. Si la négation vient au monde par la réalité humaine, celle-ci doit être un être qui peut réaliser une rupture née en enfant, avec le monde et avec soi-même. Et nous avions établi que la possibilité permanente de cette rupture ne faisait qu'une avec la libre. Waouh! Ne cherche pas à tout comprendre car c'est plutôt difficile. On pourrait écouter l'enregistrement quand on voudra. Oui, sauf que d'ici on n'entend rien. Il fait moins de bruit qu'une souris. Au fait, j'ai reçu une lettre de Chloé. Ils vont abréger leur voyage de noces car elle est malade. Elle m'a aussi dit que Nicolas s'est horriblement mal comporté avec toutes les filles des hôteliers chez qui ils se sont arrêtés. Je me demande pourquoi il est cuisinier, Nicolas. Pourquoi? Je trouve ça mieux que d'être collectionneur de Jean Solpartre. Mais Chloé n'est pas gravement malade? Elle ne m'a pas dit ce qu'elle a. Elle a mal dans la poitrine. Dire que le courtois a à être ce qu'il est, dire qu'il est ce qu'il n'est pas, en n'étant pas ce qu'il est, c'est dire, d'après la formule de Hegel, une seule et même chose, à savoir que l'on est lui. Waouh! Cette conférence est remarquable! Ouais. Bon, je propose de partir avant la fin. Je suis d'accord. Bon, viens, je connais une issue secrète. Bon, tu viens. Semble différente. Mon bar m'a l'air hostile. Chloé, comment tu te sens? Je vais mieux. Faut dire que vous m'avez bien soignée tous les deux. Tu as bonne mine. Ça me rassure. Je ne sais pas ce qu'il y a. Même quand on frotte, ça ne change rien. C'est probablement l'atmosphère qui devient corrosive. Chloé, elle s'est évanouie. Ce n'est pas grand-chose. Le docteur va bientôt arriver. Je vais chercher un verre d'eau. C'est toi qui l'as appelé? Non, c'est lui. Il m'a dit qu'il avait besoin d'argent et qu'il serait ravi si j'étais malade ou connaissais quelqu'un de malade. Je lui ai dit qu'il tombait bien. Mets-moi de la musique, mon Colin. Mets des airs que tu aimes. Ça va te fatiguer. Je t'en prie. Tu te rappelles? Je me rappelle. Bonjour. Ah, je vais aller ouvrir, mais je crois que c'est le docteur. Effectivement. Bonjour, docteur.
plaît, monsieur. Bonjour. Je sais pas, j'hésite. Bon, allez. Qui est malade déjà? Chloé. Ah, ça me rappelle un air de Duke Ellington. Oui, c'est bien cela. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Ah, moi non plus. Mais vous allez le savoir. Peut-être. Encore faudrait-il que je l'examine. C'est par ici. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oh mon Dieu, mon foie me fait terriblement souffrir. Ah. Ah, regardez, c'est épouvantable. Non, vous savez ce que c'est? Non. Évidemment, vous n'avez pas le foie malade, vous. Chanceuse. Un peu chaud par ici, non? Je ne me rends pas compte. Oui, c'est un tort. Je vous excuse si ça ne vous dérange pas. Comptez. 1, 2, 3. Vous toussez. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? C'est grave. Eh bien, vous voyez, elle tousse. Certes, mais à part ça. Elle semble avoir quelque chose au poumon droit. Bon, écoutez-moi, vous avez attrapé quelque chose de fâcheux. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Chloé, vous avez... amené une part dans le poumon. Oui. Mais c'est grave. Je vais mourir. Je vais mourir? Bah bien sûr que vous allez mourir. Vous allez mourir comme tout le monde. Vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Enfin, peut-être, pas tout de suite. Pas si vous vous soignez. Pour ça, si vous voulez guérir et pas mourir, la vie, la mort, tout ça, moi je m'en fous tant que j'ai mon argent. Il va falloir vivre au contact de fleurs, le plus possible. Je vais vous faire une petite ordonnance avec quelques remèdes supplémentaires. Essayez d'aller plus vite à la pharmacie avec. Je vous remercie, bon. Docteur. Ah, au fait, vous pourriez passer du Duke Ellington ou de la musique parce que c'est sinistre chez vous. Ça va s'arranger, ne t'inquiète pas. Bon, je vais aller à la pharmacie avec Tic. Repose-toi bien. Messieurs, que voulez-vous? Le contenu de cette ordonnance, s'il vous plaît. Voilà qui est fait. Repassez ce soir à 6h. Vos remèdes seront prêts. C'est que nous sommes assez pressés, vous voyez. Si vous voulez bien attendre, je vais préparer ce qu'il faut. Dis donc. Quoi? Combien est-ce qu'il te reste des 25 000 doublezons que je t'ai donnés avant de partir en voyage? Enfin, il faudrait bien que tu te décides à épouser Alice. C'est tellement vexant pour elle de continuer comme tu continues. Oui. Enfin, je veux dire, avec 12 000, ça devrait suffire tout de même. Oui, je sais. Mais alors, tu n'es pas le seul à avoir des ennuis d'argent, tu sais? Oui, oui, je sais. Il ne me reste que 3200 doublezons. C'est pas vrai. Tu me fais une blague. Ouais. C'est pas vrai, hein? Non. Si. Mais qu'est-ce que t'en as fait? J'ai acheté du pâtre. Regarde celui-là, je l'ai trouvé hier. C'est pas une merveille? Ouais. J'ai déjà enregistré 7 de ses conférences et j'ai tous ses manuscrits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis tu sais, ça lui est égal à Alice que je l'épouse. Elle est heureuse comme ça. Elle aime énormément Partre aussi. Alors? Je vous ai fait attendre?
Ça n'a pas d'importance. Si, si. Je l'ai fait exprès. Vous comprenez, c'est pour mon standing. Voici vos remèdes. Combien je vous dois? Ouh, c'est très cher. Vous devriez m'assommer, me ligoter. Et partir sans payer. Je suis trop fatiguée. Alors, c'est 3200 doublaisons. Vous savez, c'est vraiment du vol, croyez-moi. Ça m'est égal. Mais monsieur, vous êtes stupide. Je suis vieux et peu résistant. Si vous m'assommez et me ligotez, je meurs dans l'heure qui suit. Allez-y, faites-vous plaisir. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Vous n'auriez pas attendu si longtemps. Allez-y, assommez-moi. Bon, monsieur, là, j'ai mes remèdes, donc ça n'a plus d'importance. Merci. C'est vraiment ridicule. C'est moi qui m'en vais pour la peine. Même si c'est ma pharmacie. Tu sais, je ne vais pas me séparer d'Alice parce que je ne l'épouse pas. Oh, après tout, je ne peux rien dire. Ça te regarde. C'est la vie? Non. Je ne me rappelle plus. De fait, on a l'impression que l'atmosphère n'est plus la même. C'est étrange. Et toi, tu vas bien? Oh, je m'en fais allonger, tu vois. J'ai de la chance que la duchesse de Beauvoir, la compagne de Partre, ait exactement les mêmes mesures que moi. Jip voulait un papier qu'il y avait dans une des poches. Alors, il l'a acheté, a récupéré le papier et m'a offert le gilet. Je devrais être heureuse, n'est-ce pas? Tu vas pas bien, toi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je vieillis. Montre ton passeport. Quel âge avais-tu? 29 ans. Je l'ai fait l'année dernière. Si on compte depuis la date de naissance, j'ai 36 ans. J'avais bien 29 ans l'année dernière. Ça s'arrangera. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette maladie, elle nous bouleverse tous. Mais bon, ça s'arrangera et je rajeunirai. Chloé, tu vas prendre froid. Couvre-toi. Non, il le faut. C'est le traitement. Quelle jolie fleur. Colin est en train de se ruiner. Oui, il cherche du travail, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Tu vas bientôt être guérie. Je pars demain avec Nicolas et la voiture.
Et Colin? Il reste. Il faut qu'il travaille. Mon pauvre Colin, il n'a presque plus de doublezon. Pourquoi? Les fleurs? Est-ce qu'il a grandi? Les nénuphars? Non, je crois qu'il va partir. Alors t'es contente? Mais j'ai si soif. Le docteur m'interdit de prendre plus de 2 cuillerées d'eau par jour. Mais au moins, le nénuphar ne grandira pas comme ça. Pourquoi tu n'allumes pas une lumière? Il fait si sombre ici. C'est depuis quelque temps. Les lampes meurent. Et les murs rétrécissent aussi. Comment ça se fait? Cette chose que j'ai, qui fait tout mourir. T'es gentille d'être venue me voir. Oh, tu sais, je t'aime bien. Je sais. Où pars-tu avec Nicolas? Pas loin, dans la montagne. Et Chic? Oh, on va faire un gilet. Il est joli, il te va bien. Tu as mal? Mon pauvre. J'ai si soif. Tu l'aimes encore, Chic? Oui. Mais lui, il aime mieux ses livres. Que voulez-vous? Voir vos livres. Bon, bah... Voyez. D'accord. Combien celui-là? Vous l'avez trouvé? Qu'a-t-il d'extraordinaire? Rien. Justement. Ah. Et il vaut combien? Il n'est pas cher, mais j'ai mieux. Attendez. Voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pantalon à part! Oh. 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 Mais comment avez-vous fait? Profiter d'une conférence, il s'en est même pas aperçu. Il y a des boulons de pipe, vous savez. J'achète! Quoi? Parce que sinon, j'ai encore mieux. Voilà, la pipe. Waouh! Ah oui! On reconnaît bien la marque de ses dents! Vous savez, en ce moment, il prépare une encyclopédie de la nausée en 20 volumes avec des photos et. J'aurai des manuscrits. Oh mais. Je n'aurai jamais assez pour tout acheter! Que voulez-vous que ça me fasse? Quelqu'un d'autre fera à votre place? Bon, combien pour ces 3 choses-là? 1000 doubles ondes plus la veste. C'est mon dernier prix. J'en ai refusé 1200 hier et c'est pas ce que vous m'avez soigné. Tenez, merci. Merci. Au revoir. Merci. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Allez-y, oui. Merci. Oh mon Dieu, quel plaisir. Il faut que je parle. De plus en plus étrange chez toi, Colin. Je sais. Les murs n'étaient pas en béton avant.
On dirait du bois mouillé, là. Non, je ne crois pas. C'est étrange. On a l'impression que le monde s'étrique autour de soi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une soupe de chez Dia. C'est super. Ah, vous avez trouvé ça dans le roi gourmand? Pensez-vous, le roi gourmand c'est pour les riches, et puis il faut un tel matériel pour ça. Mais vous avez ce qu'il faut. Quoi? Il n'y a que le gaz à réfrigérateur comme partout, non mais qu'est-ce que vous imaginez? Oh, rien. Alice est venue voir Chloé il y a 3 jours. Je n'ai pas pu la voir. Et Nicolas l'a emmenée avant-hier à la montagne. Je sais. Alice me l'a dit. J'ai reçu une lettre du docteur. Il demande beaucoup d'argent. Mais je crois que c'est un homme compétent. T'as trouvé du travail? Non, pas encore. J'ai un rendez-vous demain, mais... je ferai n'importe quoi pourvu qu'il me donne de l'argent. Les fleurs pour guérir Chloé coûtent très cher. Et ton travail à toi? Ben, je me faisais remplacer par un type parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Mais quand je suis revenue, ils m'ont dit que l'autre faisait très bien l'affaire. Et ton oncle ne peut pas te donner de l'argent? Ben non, il est mort. Tu ne me l'avais pas dit? Ben, c'était pas très intéressant. Mais est-ce que c'était comme ça ici avant? Non, pas du tout. C'est depuis que je n'ai plus de doublezon. Ça change partout, ça s'étend comme la lèpre. Je ne peux rien y faire. T'en as plus du tout? À peine. J'ai déjà payé pour les fleurs et pour la montagne. Parce que je ne veux rien ménager pour tirer Chloé d'affaire. Mais à part cela, les choses vont mal d'elles-mêmes. Oh, ça va s'arranger. Oh, je ne crois pas. Je veux dire, à quoi passez-vous votre temps? Eh bien, le plus clair de mon temps, je passe à l'obscurcir. Mon Dieu, pourquoi? Parce que la lumière me gêne. Ah, bizarre. Vous savez pour quel emploi on demande quelqu'un ici? Non. Ben, vraiment plus. Il faut que je demande à mon sous-directeur, mais vous ne paraissez pas pouvoir remplir l'emploi. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez vu la tête qu'il a? Au fait, pourquoi voulez-vous travailler? J'ai besoin d'argent. C'est pour soigner ma femme. Chloé, elle est malade, vous savez. Mais je n'aime pas travailler. Combien je le regrette pour vous. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien. Elle ne cuisine plus, elle ne fait plus le ménage. Bonne à rien! Je veux juste qu'elle guérisse. Sans doute. Sans ça, vous ne voudriez pas travailler. Quel âge avez-vous? 21 ans. C'est ce que je pensais. Vous avez cassé une chaise? Oui. Vous savez réparer les chaises? Je pense. Ça ne doit pas être très difficile. J'ai usé jusqu'à 1, 2 votre code de bureau sans y parvenir. Vous les paierez. Je tiendrai sur vos appointements. Vous inquiétez pas, patron. Je les ai payés à ma secrétaire. Oh. Est-ce que ce n'est pas pour réparer des chaises que vous cherchiez quelqu'un? Sûrement oui. Je me souviens plus très bien, mais vous ne me paraissez pas pouvoir réparer des chaises. Mais pourquoi? Premièrement parce que ces chaises sont irréparables et parce que vous ne me donnez pas l'impression de pouvoir réparer des chaises. Mais qu'est-ce qu'ont des chaises à voir avec un emploi de bureau? Vous vous asseyez par terre peut-être pour travailler, vous! Vous ne
pouvez pas travailler souvent, alors... C'est vous dire, vous êtes un fainéant. Voilà, fainéant. Nous pouvons nos caca engager un fainéant, un gros fainéant. Surtout quand nous n'avons pas de travail à donner. Mais c'est complètement illogique. Pourquoi illogique? Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que, justement, ce qu'il faut donner à un fainéant, c'est pas de travail du tout. Vous voulez remplacer le directeur? Il est extraordinaire, c'est cru haut. Ah, vous êtes cru haut. Il vient de partout. Ça fait 30 ans que je suis fêtée, j'ai jamais vu ça. Allez, t'es là, ici. Un baiser avec ton cœur. Non, mais... Croyez-vous, je suis là. Vous avez raison. Alors, l'entretien pour ton travail, ça a été? Pas vraiment. La prochaine fois sera la bonne. Tu as regardé ton four? Oui. Il est en train de se transformer en machine à charbon de bois et je ne sais comment foutre, ça se fait. C'est étrange, mais ça ne l'est pas plus que tout le reste. Bon, Nicolas, écoute. Il faut que je te parle. Tu ne veux pas que je te mette à la porte? Ah, tiens, tu as reçu une lettre de Chloé? Mon Colin chéri, je vais bien, il fait beau. Le seul ennui, c'est les taupes de neige. C'est des bêtes qui rampent entre la neige et la terre. Elles ont de la fourrure orange et crient fort le soir. Elles font de gros monticules de neige et on tombe dessus. Il y a plein de soleil et je vais revenir bientôt. Et surtout, je t'aime. Ce sont des bonnes nouvelles. Bon, Nicolas, écoute. Les Pantosanes, les parents d'Issis, cherchent un nouveau cuisinier. J'ai déjà signé pour toi. Je voulais seulement savoir si tu étais d'accord. Non. Eh bien, tu iras quand même. C'est dégueulasse de ta part. J'ai l'impression de quitter le rat comme un navire ou le navire comme un rat, je ne sais même plus. Mais il le faut. Tu as gagné 8 ans en 10 jours. Non, c'est faux, en 12 jours. Écoute, Nicolas, ce n'est pas ta faute, je ne veux plus te voir comme ça. C'est l'atmosphère d'ici qui nous écrase, aucun de nous ne peut tenir. Tu dis toujours ça et ça n'explique rien. Bon, tu ne fais plus rien d'après le roi Gourmand. Tu négliges ta cuisine, tu te laisses aller. Mais non! C'est ce qu'on appelle l'engagement, l'envie incontrôlable et irrépressible d'être avec ce que l'on aime dans n'importe quelle situation. Laisse-moi finir. Tu ne t'habilles plus les dimanches et tu ne te rases plus tous les matins. C'est pas un crime? C'est un crime! Actuellement, je ne peux pas payer ta valeur. Et ta valeur baisse, et c'est de ma faute. C'est pas ta faute si tu es embêtée. C'est de ma faute si je suis mariée. C'est idiot. Et qu'est-ce qu'il fera à la cuisine? Moi. Tu n'auras pas le temps, tu vas travailler. Écoute, Nicolas, tu iras chez les Pantosanes. Tu m'embêtes, j'irai. Mais c'est vraiment pas chic de ta part. Tu y répondras les bonnes manières. Tu as assez protesté contre mes bonnes manières. Oui, parce qu'avec moi, ce n'était pas la peine. Ah, tu m'embêtes. Bonsoir, docteur. Vous avez changé d'appartement, c'était moins loin avant. Non, pas du tout. Mais non, quand vous faites une plaisanterie, vous avez intérêt à avoir l'air plus sérieux et à trouver des réponses plus spirituelles, mon ami. Ah bon? C'est possible. Comment va la malade? Un peu mieux. Ah, c'est louche. Vous me direz encore que vous n'avez pas changé d'appartement, hein? Je vous le jure, docteur. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous ausculter. Ah, ils ont dû vous opérer là-bas, à la montagne. Ça n'a pas été un franc succès, apparemment. Il est toujours bien présent. Sale truc, le nénuphar.
Bref, je ne veux pas vous faire peur inutilement, mais les choses ne se sont pas arrangées depuis votre départ. Il faut que vous continuiez à côtoyer des fleurs pour guérir. D'ailleurs, tenez. Oh, merci beaucoup. Pour le reste, je compte sur votre mari pour vous en rapporter, même si je sais que de nos jours, ça coûte très cher. Je ferai n'importe quoi, docteur. Je ferai n'importe quoi pour guérir. Mais mieux votre premier appartement, quand même. Nous aussi, mais ce n'est pas de notre faute. Vous faites quoi dans la vie, vous ? J'apprends des choses. Et j'aime Chloé. Ah, un sentimental. Bon, je vous laisse. Moi aussi, il faut que j'aille gagner ma vie. Allez, à bientôt, j'espère. Au revoir, docteur. Reste contre moi, mon Colin. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas dormi ensemble. Il ne faut pas. Si, il le faut. Je suis ta femme, oui ou non ? Si, mais tu ne vas pas bien. Mais je t'aime. Embrasse-moi. Encore ? Et pas seulement ma figure ? Tu ne veux plus le faire ? Tu ne m'aimes plus alors ? Thank you.
Voici le dernier livre de Partre. Ça y est, je les ai presque tous. Je vis un rêve. Alice m'a quitté ce matin. Mais j'étais forcée de lui dire de partir. Il ne me restait qu'un double zon et un morceau de fromage. Et puis, ses robes me gênaient dans l'armoire pour accrocher les vieux habits de Jean-Seul Partre. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où je l'ai embrassée, Alice. Je ne pouvais plus perdre mon temps à l'embrasser. Les doublezons de Colin devaient me servir à l'épouser, je sais. Mais bon, elle n'y tenait pas tant après tout. Elle se contentait de m'attendre et se contentait d'être avec moi. Mais on ne peut pas accepter ça d'une femme, qu'elle reste avec vous simplement parce qu'elle vous aime. Je l'aimais aussi, mais je ne pouvais pas admettre qu'elle ne s'intéresse plus à Partre. Comment ne pas s'intéresser à un homme comme lui, capable d'écrire n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, et avec une superbe précision. Tout le monde devrait acheter ses œuvres. C'est vrai que ça coûte cher, et que c'est embêtant pour les impôts. Mais bon, est-ce que Partre paye ses impôts, lui? Probablement. Mais est-il recommandable, d'un point de vue moral, de payer ses impôts pour avoir en contrepartie le droit de se faire saisir? Parce que d'autres payent des impôts pour entretenir la police et les hauts fonctionnaires. C'est un cercle vicieux à briser. Si personne n'en paye plus pendant assez longtemps, tous les fonctionnaires mourront et la guerre n'existera plus. On peut discuter et on peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. Mais pour l'instant, on pense à Partre. À Partre. À Partre. Partre. Bien sûr. Il faudrait simplement le retarder. S'il n'y a que ça, on peut voir. Il faudrait le retarder de 10 ans. Ah oui? Oui, 10 ans. Vous savez, il vaut mieux laisser les gens économiser pour pouvoir l'acheter. Pourquoi? Chic dépense tout son argent à acheter cette bouffette. Et il n'a plus d'argent. Il ferait mieux d'acheter autre chose. Moi, je n'achète jamais. Il aime ce que vous faites. C'est son droit. Il a fait son choix. Il est trop engagé, je trouve. Trop engagé vis-à-vis de vous et de votre pensée. Moi aussi, j'ai fait mon choix. Et je suis libre. Parce qu'il ne veut plus que je vive avec lui. Alors, puisque vous ne voulez pas retarder la publication, je vais vous tuer. Regardez. La fumée de ces livres qui brûlent. De tous ces livres. Ils brûlent tous. Sauf ceux de Partre. C'est énervant. Voilà, une allumette encore. 3 allumettes, 3 librairies, 3 libraires. Ils étaient tous ligués contre Chic. Ils voulaient lui prendre son argent. Ils profitaient de sa passion pour Partre et lui vendaient des vieux habits sans valeur et des pipes avec des empreintes. Ils méritent leur sort. Mais il ne viendra plus, mon Chic. Il ne viendra plus se ruiner chez vous. Pas de traces du corps d'Alice. Mais sous une poutre de fer tordu, son éblouissante chevelure. Les flammes n'avaient pu la dévorer, car elle était plus éclatante qu'elle. Où vas-tu, Colin? J'ai trouvé du travail. On me remet une liste. J'annonce les malheurs un jour avant qu'ils n'arrivent. Je monte beaucoup de marches et je suis très mal reçue. On me balance des objets lourds et blessants. Et des mots durs et pointus. Et on me met à la porte.
Monsieur Tchik ? Oui. Ordre de mission. Un point payé, je dois vous tuer. Ah bon ? Oui, c'est écrit là, regardez. Non, non, mais je vous crois. Si c'est écrit là, c'est que vous devez le faire. Mais on peut s'arranger peut-être ? Non ! Non ! Vous n'avez qu'à payer vos impôts ! Tout le monde paie ses impôts. Vous croyez que quelqu'un ici n'a pas payé ses impôts ? Bien sûr que non. Regardez le monsieur là-bas et la dame là-bas. Ils ont payé leurs impôts. Et vous, vous auriez dû payer vos impôts. Oui, mais j'ai eu un léger contretemps. C'est pas de ma faute, c'est celle de Jean-Saul Part. La ferme ! Oh les mains ! Oh les mains ! Voilà, je t'en foutrai du Jean-Saul Part, moi. Monsieur Colin ? Oui ? Nous sommes obligés de saisir vos biens. Ordre de l'État également. Vous n'avez plus d'argent, donc vous n'avez plus les moyens de vivre avec tant de choses chez vous. Ah oui ? Oui, c'est écrit là, regardez. Eh bien, allez-y. Prenez ce qu'il vous faut. Je regrette vraiment, mais je ne fais que mon travail. Je voudrais pas crever, sans savoir si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Je voudrais pas crever, avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir, sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Je pourrais en avoir 30 ou 40, mais je mettrai du temps à vous payer. C'est une cérémonie de pauvres, alors, ce qu'il vous faut. Je suis pauvre, et Chloé est morte. Oui, mais on devrait toujours s'arranger pour mourir avec de quoi s'enterrer décemment. Vous n'avez même pas 500 doublezons. Je pourrais arriver jusqu'à 100, mais je mettrai du temps à vous payer. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est que se dire « Chloé est morte » Vous savez, j'ai l'habitude, alors ça ne me fait aucun effet. Je devrais vous conseiller de vous adresser à Dieu, mais j'ai peur que pour une si faible somme, il ne soit contre-indiqué de le déranger. Vous savez, il a autre chose à faire que de s'occuper de vous. Oh, je ne vais pas déranger le bon Dieu, voyez-vous. Parce que Chloé est morte, et Dieu ne peut rien y faire.
Changer de sujet, penser à autre chose, je ne sais pas, n'importe quoi. Par exemple, quelque chose d'amusant. Est-ce que pour 200 doubles ans, j'aurai une cérémonie décente? Je ne peux même pas envisager cette solution. Vous irez jusqu'à 250. Je devrais vous payer en plusieurs fois. Vous avez un travail, vous me signerez un petit papier. Si vous voulez. Dans ces conditions, peut-être vous irez jusqu'à 300. Je ne crois pas que je pourrais. Je crois que je ne garderai pas cet emploi pour longtemps. Alors disons 250. C'est vraiment regrettable. Ce serait une cérémonie véritablement bâclée, infecte et sans intérêt. Tant pis pour vous, vous me dégoûtez. Vous marchandez trop. Je m'excuse. Venez signer les papiers. Vous n'avez qu'à pas être pauvre. A-t-on l'idée d'être pauvre? Chloé est morte. Tu es morte. Il, elle, est morte. Nous, vous, ils, elles sont morts. Je suis mort. Ram-a-lam, ding dong. Ram-a-lam, ding ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding dong. Ram-a-lam, a lam, a lam, a lam, a ding. Et bien après les professeurs qui sont venus nous voir.
Également, nous voulons remercier Béatrice. Ils sont bons. On voulait leur donner une rose chacun pour qu'ils nous se rappellent de nous.